Vite, vite, roule. Oh mon dieu! En fait, tout ce que je voulais vous dire, c'est que va dans la voiture, toi. Oh merde. Enfoiré, venez là. Les amis, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Garry's Mod, en mode Dark RP. Et aujourd'hui, nous allons faire les rois de l'arnaque avec Max. Alors aujourd'hui j'avais spoil la vidéo et ça devait être le Wendigo, mais on a eu un très gros problème, donc j'espère que vous allez donner la force sur cette vidéo. Si vous kiffez, n'hésitez pas en tout cas à bombarder les likes, à me dire en commentaire quelle prochaine scène RP vous aimeriez voir sur la chaîne. Mais le plus important, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube et d'activer la cloche des notifications. On est bientôt au million, je compte sur vous. C'est parti. Bon écoute, mon petit Max, je t'attends au concessionnaire, j'ai déjà une petite arnaque à faire, si tu es chaud. Ah bon, bah j'arrive. Bonjour messieurs, bonjour bonjour. Fait les véhicules à moins 50% par rapport au tarif sur la tablette hein. Donc si ça vous intéresse pour un quelconque véhicule, n'hésitez pas à me demander hein. Je serai vous faire un bon prix. D'accord, bah je vais ah voir bah, ça. C'est à dire que par exemple vous prenez une Ford Mustang, je peux vous la faire à, je sais plus, elle est à 200 000 il me semble sur ma tablette, là je peux vous la faire à 100 000. C'est ce qui est quand même plutôt pas mal. Bonjour monsieur. Attendez, je suis avec ce client, parce que du coup je fais les voitures à moins 50%, vous avez vu? Ah oui, c'est pour ça que je viens, moi justement, je voudrais en acheter une deuxième. Moins 50% sur les véhicules, si vous passez par moi, moins 50%. Ouais, tu t'es les autres, là. C'est qui le connard qui m'a chour? C'est qui le clochard, là, qui m'a pris ma voiture, là? T'as rien fait, il est mieux, là. Casse-toi. Personne n'a volé votre voiture, monsieur. Ouais, je vais vous prendre le GLE, s'il vous plaît. Alors, GLE, je l'avais fait à combien, lui? C'est 195 000, donc du coup je vous fais diviser par 2. 97 000 $. C'est ton collègue ici. 97 000 $, je vous le fais. Seulement 97 000. Eh bien, c'est le GLE que vous m'avez demandé, pas le GLS. C'est le GLE. Ouais, mec, là je vais faire l'arnaque de l'année là. Vous y arrivez ou... C'est le. Moins 50% sur les véhicules par rapport à la tablette, messieurs dames. Ouais, j'arrive pas à vous faire le virement, je vais chercher un espèce. Ok, je vous attends. Dépêchez-vous monsieur, parce que si quelqu'un vous passe devant. Donc du coup choisissez vite un véhicule, moins 50% pour le prochain véhicule et après c'est terminé. Je pourrais pas vous faire d'aussi gros prix. T'as vu le GMC, c'est combien messieurs? Le GLC? Oui, le cadeau. Alors il y a le GLS et il y a le GLE, mais j'ai pas le GLC hein. Mercedes GLS c'est 120 000. RTR. Monsieur, la Mustang RTR 2018. La RTR, je peux vous la faire à combien? Alors attendez. La voiture est devant, s'il y a besoin de se barrer. Alors 230 000, du coup on est à 115 000 monsieur, 115 000, je vous la fais. Attention, plus qu'un véhicule. Ok, merci monsieur. Voilà, c'est bon. 95 000. Monsieur dame. Monsieur, je vous achète la Mustang RTR sur place directement, j'ai 115 000 sur mon compte. Ok, 115 000, bah dépêchez-vous monsieur, parce que là du coup la prochaine personne qui prend le véhicule... Je peux payer par carte hein. Non, j'ai pas de terminal à carte bleue, mais enfin celui-là fonctionne pas, je sais pas pourquoi. Et donc du coup, là, messieurs, dames, le prochain qui me donne l'argent en cash, je lui fais le véhicule à moins 50%. Alors vous, attendez, GLS, hein, ou GLE, non GLE, vous m'avez demandé. Je vais faire votre voiture à vous, du coup, vu que vous avez l'argent directement. Je suis désolé, monsieur, mais je vous avais réservé la voiture à vous parce que vous aviez une plus grosse somme. Voilà, du coup, ok, parfait. Donc, vous, messieurs, il faut me donner vos noms. Nom et prénom, tous les deux, s'il vous plaît. Comme ça, je peux vous faire tout ça. James Miller. M'a l'air de violent. Bah, vas-y, je prends la SLS alors. Non, mais monsieur, je peux plus faire à moins 50%, c'est fini. Je peux plus. J'avais que 3 véhicules en stock à moins 50%, là, je peux plus. Vous me faites à 30% alors, à 30%, une réduction plus basse. Ah, ça va être compliqué. Je vais pas avoir de marge du tout, enfin. Y'a des promotions, je vous faites une réduction plus basse. Ah, attendez, poussez-vous s'il vous plaît. Max, prépare-toi, faut qu'on se casse. Ok, poussez-vous, je vais aller voir mon collègue. Ok, Max, faut qu'on se casse. T'es où? Je suis à la voiture jaune. Ok, go, on se casse. Vite, vite, roule. Non mais Max. Non mais Max, t'imagines même pas combien j'ai de fric. Mec, on meurt. Je sais pas combien j'ai, mais mec, j'ai énormément de fric. Vite, vite, va quelque part qu'on puisse déposer le fric. Oh non, mais ils doivent être comme des ouf là dans le process. Et 210 000 $. Bon, c'est bon. Non, mais pose tout, on fait le tri après. Je dépose tout et on se casse. Ah, t'as géré. Oh mec, c'était incroyable. Oh mec, c'était tellement ça, il y avait trop de monde. À toi de faire la prochaine arnaque, hein, du coup. Oh, mais c'est de vendre des petits fusils. Ah ouais, vas-y, ça va être trop drôle. Ça va être trop drôle. Genre, putain, vous faites quoi dans la vie pour avoir une voiture comme ça? C'est vrai que R6 c'est pas mal. J'ai un cousin qui est avocat, il m'envoie du fric.
Donc vous vivez au crochet de votre cousin. Exactement. Vous êtes un petit peu samisto, quoi. Tu ne penses pas d'acheter des pétards? Bah, je dirais pas samisto, je dirais que je suis à l'aise financièrement, voyez-vous. Ah oui. Ouais, vous êtes une michto. Balade. Ah, les michto aussi sont à l'aise financièrement. À gauche, à droite. Je ne vous permets pas, hein. Écoutez, déjà, venez. Est-ce que ça vous intéresse d'avoir des armes? Si quelqu'un essaie de vous braquer, nous on a des armes pour vous. M4 et MP5. Ça vous intéresse ou pas? Putain, c'est du gros calibre ça, hein. Combien? Mais c'est mon collègue qui les vend, c'est mon collègue qui les vend. La MP5 et la M4, combien tu vends ça, toi? Je l'ai fait à 2500 l'unité. 2500? Attends, y'a pas un distributeur à côté? Je te retire ça, je te paye en cash. Tu prends la banque. La banque, cash. Oui. Ouais, vas-y. Je te paye en cash, c'est cash. Bon. Juste que je retire. Ouais, nickel. Ouais. Faut juste que je retire. Vas-y, va à la banque. Y'a un distributeur là à côté? Combien la tu banque. Mets 2500? La banque. La banque. Tu me fais une petite boîte de munitions avec? Ok. Non, je fais que les armes. Y'a pas un petit distributeur là? Oui, 2500, mais mec, ça vaut tellement plus cher. Ouais, mais si tu mets trop cher, les gens ils vont pas le prendre. Ah bah mec, moi, même les véhicules, hein, regarde, ils le prenaient. Hein. Comme c'était véhicules. Le conseil s'est arnaqué un grand monde après une victime de cette arnaque, Jess Miller. L'arnaqueur s'appelait Edwin. Il s'est échappé en voiture jaune. Oh, après avoir causé ce désastre, il est sûrement en ville, au quartier résidentiel. Trouvez-le. Vas-y. Et si vous avez des infos, appelez-moi. Vas-y, hein. Si t'en veux d'autres, tu me repères à la voiture. C'est ça, voiture. Il l'a prise. C'est la voiture jaune. Le pauvre James Miller va maintenant se retrouver à la... Il a économisé cet argent toute sa vie dans l'espoir un jour d'acheter la voiture de ses rêves. Maintenant, James Miller a les suicides au derrière et devient dépressif dû à cette perte. Justice for James Miller. Il me tue, le journaliste. Dima, il te resterait pas un petit truc pour mon collègue? Non. C'est toi le gâteau jaune? Il te reste pas un petit truc pour mon collègue? Lui, là-bas, il peut vendre. Parce que t'as vu, c'était... Non. Vends-lui une arme. Ah, eh, pas, mais son pote, il veut une arme. Bien, par contre, c'est beaucoup plus cher. Parce que ça se vend 14 000 en vrai. Ah ouais, 14 000, ça fait 7 000. Une vraie, oui. Ça fait 7 000 là. 7 000, ah, okay. 7 000 la M4. Si c'est pas... Ok, moi je suis chaud. Mon collègue, il va prendre. Juste, il est dans la maison, juste là. Je le sors. Tu les as pris sur le rayon, moi, cette fois-ci. Regardez-le, ce toxicomane là. Il se réveille là, toujours avec son joint dans la bouche, là, le toxicomane. Vas-y, j'ai raison. Pas allez possible. Chercher l'argent, les gars. Toxicomane, moi j'aime. Vas-y, t'as pris ton argent au moins, t'y as pensé? Tu penses qu'à rouler ton joint? Oui, il est où ton fric? Bien sûr, bien sûr. Là, t'es putain, donne les 5000 monsieur là. Arrête de me faire lequel, passer pour un con. Je suis de gauche ou je suis d'en face? Non, moi. Putain, mais regardez-le, il est défoncé. Calmez-vous, vous êtes fou ou quoi? C'est le tranquille. Ouais, beaucoup dormi, c'est pour ça, j'ai pas beaucoup dormi. Ah ouais, je comprends, je suis sur les nerfs en ce moment. C'est j'ai pas une dose, je suis sur les nerfs. Chercher, elle est dans le coffre de la voiture. Je suis sur les nerfs. La voiture, je reviens. Oh putain. La vache, elle est bonne. Moi, c'est la MP5. Toi, c'est la MP5. Cache-la vite, vas-y. Ah ouais. Ah, il est où le toxicomane? Elle est légère, c'est normal. Il est là, en blanc. Ouais, t'inquiète. Et moi, j'ai pas la cam sur moi. Mec. J'ai pas la cam sur moi, faut que j'aille la prendre. Vas-y, je veux bien. C'est quoi ton nom? Moi, mon nom, c'est Wilhelm Rosenberg. Rosenberg. Vas-y, faut qu'on bouge. Il veut quoi? Il voulait de la mettre. Ok, si t'en veux que je t'en ramène, donne c'est de ça, l'argent. J'ai donné 1000 collègues à ton pote là, ici. C'est 1000 le sachet. Ah ouais, je donne de l'argent, c'est drôle. Venir fou. Ah bah vas-y, on va aller chercher. Mais c'est. S'il te plaît. Le sachet, c'est 20 grammes, comme d'habitude. Ok. J'ai pas l'argent là, faut que j'aille retirer encore. Bon ben, on n'a pas le temps là. Je n'apporterai à ton pote et tu testeras. Je suis toujours habillé comme merci ça. Merci pour le service. Vas-y, vite, on va chercher la cam. On revient, les mecs. Allez, 15 000 de plus. Non mais mec. Mais ils ont toujours pas remarqué que c'était des airsoft. Les gars, ce qu'on leur vend depuis tout à l'heure, c'est des airsoft. Je suis à 21 000. Ouais. Ah, ils sont trop bien tes articles là. Eh, faut qu'on le trouve, l'arnaqueur. Arnaquer les pauvres là, gens comme bâtard, ça. James Miller, là, c'est mon ami, le pauvre, là, il est à la rue. Mais ouais, votre ami, c'est triste pour lui, hein. Oh là. Combien il a perdu, votre ami? Croyez-moi. Bon, 115 000, un truc comme ça, il était aux as, il était content et tout. Oh là là là. Eh, monsieur, là, je veux une arme. En même temps, pourquoi il s'achète une voiture? J'ai cru lire dans l'article qu'il avait des problèmes d'argent. Qu'il avait les huissiers au cul. Bah ouais, mais justement, j'y après. Il est con ce mec, il s'achète une bagnole alors qu'il a les huissiers au cul, enfin, il a un problème lui. Attention messieurs dames, je suis magicien. Je suis magicien, je m'appelle Edouard. Magicien.
En dessous de ça, il y a de l'argent. Si vous trouvez le billet, vous gagnerez de l'argent. Les cubes, moi, je vais les mélanger et puis le billet sera sous un des cubes. Mesdames et messieurs, bonjour. Ils ont rien à faire ici, là. Je vous propose de gagner aujourd'hui beaucoup d'argent. 10 fois votre mise. C'est-à-dire que si vous misez 1 000 $, je peux vous faire gagner 10 000 $ si vous trouvez le billet. Nous pourrons aller jusqu'à 100 fois la mise. Mais pour cela, il va falloir faire des paris risqués. Vous avez moins 50% là pour les boissons Newman pendant 30 minutes. Mesdames et messieurs, qui est le premier qui veut jouer? Mesdames et messieurs, pariez votre argent. Vous, monsieur, 20 000 $! 20 000 $! Attention! Je me sens chanceux aujourd'hui. À combien mettez-vous la mise? 10 x 10 ou x 100, monsieur? X 10, ça ferait 200 000 $. Monsieur, vous allez me dire sous quel cube vous allez choisir? Je les mélange. Le cube du milieu? De votre ma gauche. Ah, ok, donc celui à ma droite. Le cube 3, en dessous, il y a rien du tout, monsieur! Oh, c'est une perte sèche de 20 000 $. Non, ça c'est pas possible. Et mets-le sous le cube 1. Et messieurs, dames, il était monsieur sous le cube 1. Voilà, comme vous pouvez voir. Donc vous, monsieur, en rouge, combien? Personne se réjouit sur le dos de la population. Monsieur, x10, pour 200 $, donc 2 000 $, monsieur. Allez-y, mettez-vous devant moi et choisissez un cube. Attendez, lui on le fait gagner. Lui on le fait gagner. Allez-y, monsieur. Baiser lui aussi 10 000 $, ça y est. À votre droite. Vous avez pas compris. À ma droite, du coup, c'est le cube numéro 3. Attends, cube numéro 3 et il a gagné. 10 000 $. Cube numéro 3. Ah, ouais, qu'est-ce que vous voulez? Le cube numéro 3, monsieur. Monsieur a gagné 2 000 $! 2 000 $, monsieur. Ok, c'est bon, ça va, y'a un gagnant. Y'a au moins un gagnant, ça va. Moi, je suis parti, 10 000 $! Du coup, tout le monde dit que c'est plein d'autres, mais on a essayé. Vous allez me dire du coup x10 ou x100. x10 c'est plus facile, hein, comme vous voulez. x10 pour 80 000 $. Monsieur, choisissez votre cube. Celui-là du milieu. C'est parti. Oh, vous avez perdu, monsieur. Ah, mais j'arrête ici. Oh, il m'a fouetté. Allez, c'est à moi. Mais si, je peux remettre le cube du milieu. Je vous ai donné 10 000. Oui, attendez, monsieur, attendez, je fais gagner la personne. Combien de personnes ont joué? Je fais jouer la personne. En tout, combien de personnes ont joué en tout? Monsieur, je vais le donner. Attendez, monsieur. Donc, monsieur, quel cube allez-vous choisir pour 3 500 $? C'est Dumbledore. Le cube numéro 2 et il a gagné. Le cube numéro 2 et il a gagné. Monsieur, oh, 3 500 $! Le monsieur gagne 3 500 $! Ah, ok. Monsieur avec les 10 000! Monsieur! Monsieur avec les 10 000! Monsieur le magicien! Après moi, je joue sans le magicien! Monsieur! X10, t'as 200 $ à me prêter? x100! Tu m'as dit, tu vas aller retour au testeur, putain! Oh, mais t'es un million de dollars! Comme ça, je change le nom! Vas-y, au pire, on le fait gagner, on s'en fout, t'es fait ou pas? Ouais, parce que mec, il y a 1 million! Vas-y, dis-moi quelqu'un! Pour 1 million de dollars, messieurs dames! Ouais, 1 million, putain! 1 million! J'essaye de le tenir après le temps que j'aille à la voiture. Allez-y, monsieur! Le troisième cube! Il faisait le troisième cube et il a gagné. Ah! 1 million! Dans la voiture. Monsieur! On attend ça. Je vais vous donner les 1 million de dollars, monsieur. Venez, on va retirer la banque ensemble, monsieur, pour les 1 million de dollars. C'est incroyable, vous êtes le premier grand gagnant! Il y a les flics. Oh là là, c'est incroyable. Comment il s'appelle? Monsieur, venez, monsieur le journaliste. Vous pour la photo. Quand même vos stands, il est dans la rue. Pour la photo, venez, venez. Ah, ok, ben d'accord, je prends. 1 million de dollars. Venez, monsieur, venez, on va à la banque. Venez, on va à la banque, monsieur, je vais vous les donner. Oh, oh, calmez-vous. Donnez votre parole, hein. Ok, go. Go. Ça me tue de rire. Ok, super être commissariat, comme ça on change de vêtements et tout. Oh là là. Oh là là! Non mais on est des arnaqueurs. Tu sais que moi en plus j'ai l'autre avec les flics qui me couraient après pour les 1500. Oh, ouais. Le magicien est un arnaqueur. Était-ce le même? Sûrement un gagnant se préparerait à recevoir 1 million jusqu'au moment où ce bâtard est rentré dans une voiture. Une voiture orange? Orange? Elle était noire. Et qu'est-ce qu'il dit? Pire journaliste! Allez, okay, mise de départ 30 000. Monsieur, 37 000 d'abord, il lève la main. 37 000. Comment ça, 37 000? 37 000, j'ai entendu. 38 000, le monsieur au chapeau. 38 000. 42 000. 42 000, le monsieur au chapeau. 43 000. 43 000, le monsieur afro.
Allez, 50 000 50 000 50 000 le monsieur au chapeau. 5 000. T'es sérieux, 55 toi? 5 000 le monsieur coupe afro. 60 000 60 000 64 deux fois. Attention, dernier appel, 64, une, deux, 64, trois fois de jugé au monsieur, 64 000 la coupe à froid. Merci, merci. Sérieux? Voilà, parfait. Eh ben venez, je vous fais le tour. Putain, ça me saoule. Attendez, on va casser la bouteille de champagne avant. T'es prêt? T'es prêt? On se part en courant. Je vous laisse l'attraper. En fait, tout ce que je voulais vous dire, c'est que vous arnaquez. Va dans la voiture, toi. Vite, vite. Qu'on se casse. Oh merde. Enfoiré, venez là. Vite, vite. Roule. Oh, roule. Je descends. Roule. Oh. Allez, on se casse.